toi, pousse là-bas. Je ne permettrai pas à un homme de prendre Chantal comme épouse, car elle m'appartient. Oui, à moi seul. Chérie, mets-moi du beurre dans un morceau de pain, s'il te plaît. Ok, chérie, il n'y a pas de problème. Chérie, chérie, bon appétit. Merci, chérie. Que tu m'as donné. Mais chérie, comment? Tu ne vois pas que ce beurre est pourri? Chérie, il n'a rien ce beurre. C'est celui que nous mangeons tous les jours. Il sort du frigo. Et en plus, tu discutes avec moi. Tu veux ma mort ou quoi? Mais comment, chérie? On n'est même pas comme malade, tu te comportes comme ça. C'est quoi tes manières? N'aime pas ça. C'est fini. Et d'ailleurs, je m'en vais. Je crois que je passerai prendre mes bagages. Mais chérie, chérie. Binta. Binta. Va voir qui sonne à la porte. C'est qui? C'est la sœur Déborah. Bonjour. Oui, bonjour. C'est ici qu'habite Chantal? Oui. Si je viens la voir, c'est une ancienne amie de classe. D'accord, patientez un instant. Je vais vous signaler. C'est qui? C'est une dame. Elle dit qu'elle s'appelle Déborah et que vous avez fréquenté. Ah, Déborah, fais l'entrée. Entrez. Ah, Déborah, bonne arrivée. Asseyez-vous. Je vous sais quoi? Il y a de la sucrerie, de la bière, de la liqueur. Non, ça va, merci. Mais si, c'est tout juste à côté. Ne te sacrifie pas, ça va. Merci. D'accord. C'est Émilie, ma soeur en Christ. Ah, enchantée, Émilie. Il y a longtemps que je ne t'ai pas vue. Tu as disparu de la circulation. Ça va par la grâce de Dieu. C'est même Mimi qui m'a donné ton adresse. Ah, Mimi. C'est vrai. Et chez toi, ça va? Oui, ça va. Mais attends, tu ne te maquilles plus? Non, je suis devenue chrétienne. Toi, Déborah, chrétienne? Je n'en crois pas mes oreilles. Toi qui passais tout le temps à critiquer les chrétiens, et c'est la Bible qui recommande de ne plus se maquiller? Non, c'est moi-même qui ne veux plus en mettre. Parce que ces choses-là me préoccupent peu. Mais comment tu fais pour vivre? Je fais du commerce. Et je sers Jésus. Et c'est justement de ce Jésus-là que je suis venue te parler. De qui? Jésus-Christ de Nazareth. Ne te fatigue même pas. Il y a des gens qui sont passés ici avant toi, mais en vain. Et pourquoi restes-tu insensible à l'amour de Jésus? Quel amour? Quel amour? Jésus t'aime, tu sais, Chantal. Il t'aime. Jésus m'aime. Et j'ai tous ces problèmes. En moins de 2 ans, j'ai rompu avec 5 fiancés. Et pour rien. Si c'est Jésus m'aimait. Est-ce que tu le lui as demandé? Jésus n'intervient pas dans la vie des gens s'il n'est pas invité.
Oh, laisse Déborah. Laisse ça. Je suis fatiguée. Tu ne réussiras pas à me convaincre. Votre Jésus, là, il est impuissant. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qui se passe, Déborah? Qu'est-ce que tu regardes? D'où provient ce masque? Quel masque? Ce masque-là, il est possédé. Vous les chrétiens, vous voyez le diable partout. À force d'insister, de la questionner, Chantal a fini par avouer qu'elle est mariée. Il y a des moments où elle sent une présence dans sa maison. Et quelquefois, quand elle est seule, elle entend des bruits bizarres dans sa maison. C'est là que je lui ai dit, le mari de nuit, c'est la manifestation d'un démon. Et je lui ai proposé de venir vous rencontrer, pasteur. Bonjour Déborah. Bonjour pasteur. Comment ça va? Ça va. Je suis venue avec Chantal, la dame dont je vous ai parlé. Bonjour madame, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va. Ok, suivez-moi. Asseyez-vous. Merci. Alors, madame, dites-moi, qu'est-ce qui vous fait dire que vous avez un mari de nuit? Dans mon sommeil, je rêve que j'ai des rapports sexuels avec des personnes. Et quelles sont ces personnes? C'est des gens que je connais, mais le plus souvent, c'est un gangan. Un féticheur chez qui je m'étais rendu pour une consultation. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a donné le masque dont j'ai parlé à Déborah. Beaucoup pied, ma pied. Dida. Grand fétiche de la région. Voici les raisons qu'ont poussé cette femme à venir te voir. Si cette mission sera difficile ou impossible, je dis descends. Descends. Mais si cette mission sera possible, descends. 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 Oui, cette mission, est-ce que sera difficile? Si oui, je dis descends. Femme, cette mission sera très difficile. Mais ne sera pas du tout impossible. Car moi, Nganga, grand féticheur de tous les temps, aucune mission ne m'a été impossible. Je peux le faire. Mais à une condition. Laquelle? Je vais me rendre chez ton fiancé cette nuit. Et je vais travailler ses pensées. Je reviendrai ici pour la seconde étape. À vous. Toi, masque, au nom de Jésus, tu divorces d'avec Chantal. Je te chasse, je mets le feu de Jésus-Christ sur toi. Au nom puissant de Jésus, tu sors de cette maison. Je mets le feu dans ton corps. Esprit de masque, je te chasse, je te déloge au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'envoie le feu dans ton corps. J'envoie le feu dans ton corps. Toi,
qui t'a donné l'autorisation de me repousser. Maintenant, tu vas me sentir. Au nom de Jésus! Le grand résultat féticheur. On dirait qu'il a perdu quelques boulons là-dedans. Ça ne me surprend pas. Si Satan te donne quelque chose d'une main, il la répond du poids de l'autre. Il ne fait que tromper les gens. Il reçoit ainsi le salaire de tout le boulot qu'il s'est tapé pour Satan. Évangéliste Naomi. Bonsoir, pasteur. Ah, bonsoir, comment ça va? Bien. Entre. Il y a la place, hein, c'est l'homme de Dieu. Merci. Tu sais quelque chose? Non, ça va. On dit quoi? Quel bon vent t'amène? Tout juste un bonsoir. Comme j'étais de passage dans les environs, j'en ai profité pour te remettre la fiche du missionnaire que je t'avais promise là. Tu peux la remplir cette nuit, je vais repasser demain la recherche. Y a des frais de dossier à payer? Non, tu joins juste à cette fiche une attestation d'affiliation à une église et une photocopie d'acte de mariage. Certificat d'acte de mariage, c'est obligatoire ça? Bien sûr, pasteur. C'est un séjour réservé uniquement au pasteur marié. Ah, mais moi je ne suis pas marié, hein? Ah bon? Je ne le savais pas, hein? C'est vraiment dommage. Mais tout n'est pas perdu, pasteur. Tu as encore un mois et demi devant toi. Si tu te maries, tu seras dans les délais. Le comble, c'est que je n'ai même pas de fiancé. Tu vois, c'est vraiment pas aisé. Hein? Mais c'est un problème, ça. Si tu te maries en un mois et demi, tu seras dans les délais. C'est bon de Dieu. En fait, le problème est bien plus compliqué que tu le penses. Ah bon? Figure-toi que depuis que je prie pour mon mariage, le Seigneur ne m'a même pas encore révélé qui sera mon épouse. La seule chose que je sais par contre, c'est que c'est lors d'une séance de délivrance que je ferai sa rencontre. Donc tu vois que c'est pas facile pour moi. Ah, pasteur, est-ce que tu as besoin d'une révélation pour te marier? Tu as les yeux pour voir, non? Ah, écoute, c'est aussi important, hein? Je te voilé ce matin. Non, tu perds ta vie. Tu perds ta vie. Merci Seigneur pour la délivrance que tu as accordée à cet enfant. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Où est ta maman? Madame, venez. Asseyez-vous. Votre fille a été délivrée de l'esprit humain de la sorcellerie et d'un esprit sourd-muet. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'elle parle et entend correctement maintenant. Vous allez le constater vous-même. Tenez par exemple, appelez-la de son nom et demandez-lui quelque chose. Sarah,
Ma fille est délivrée. Ma fille qui ne parlait pas. Seigneur, oh Jésus, merci. Merci d'avoir délivré ma fille. Je ne crois pas, Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Des grands pasteurs. Je suis venu vous dire merci pour ma délivrance. Oh, ma soeur, c'est le Seigneur Jésus qui t'a délivré. C'est plutôt lui que tu dois remercier. J'ai apporté un chèque de 2 millions pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'y porte votre nom ou... Non, mais au porteur. Merci, soeur Chantal. Vraiment que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te le rende au centuple. Bon, une fois encore, je vais demander la route. Vraiment, merci pour tout. Non, c'est moi qui te remercie. Mais dis-moi, soeur Chantal, oui? Tu es mariée? Non, pasteur. Je ne suis pas encore mariée. Après ma délivrance hier, j'ai fait un songe. Et quand j'ai expliqué à une soeur, elle m'a dit que c'est au cours d'une délivrance que je vais rencontrer mon mari. Pardon? Oui, pasteur. Mais ça, c'est extraordinaire, ça. Le Seigneur m'a réglé la même chose. Tu... Oh non, pasteur. Je ne veux même pas que ce soit un serviteur de Dieu. Je ne veux pas marier un pasteur. Pourquoi est-ce que tu racontes des choses pareilles? Qu'est-ce que tu racontes, pasteur? Pasteur, c'est mon amour à moi-même. Tu sais, Chantal, Dieu ne réserve pour nous que le meilleur. Et s'il donne quelque chose à son enfant, c'est que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais parfois, les préjugés des hommes ne cadrent malheureusement pas toujours avec les plans de Dieu pour eux. Mais tu as au moins vu cet homme? Non, je ne le connais pas. Non, dans ce cas, ce que je vais te conseiller, hein, il faut prier le Seigneur jusqu'à ce qu'il te révèle qui est cet homme. Ok, pasteur. Voilà. Bon, je pense que je vais partir. Voilà, vraiment. Que la prochaine. Que merci en tout. Tu m'accompagnes. Tu habites où? Je suis à la Rivera. Tu habites en famille? Non, j'ai acheté une maison là-bas. Ah, ça c'est bien ça. Je t'avais fait un taxi? Non, pasteur, voici ma voiture. Ah, ok. Donc, à bientôt. Et à la prochaine. Ah. Thank you.
Oui, allô? Ah, Mimi, bonsoir. Comment tu vas? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je deviens? Je suis là, ça va. Où ça? Non, je ne peux plus aller en boîte. J'ai donné ma vie au Seigneur. Qui ça? Non, ne l'écoute pas celui-là, il raconte du n'importe quoi. Au fait, j'ai donné ma vie au Seigneur, donc il y a des choses que je ne peux plus faire, c'est tout. Non, c'est trop long, je ne peux pas t'expliquer au téléphone. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée à toi. Au revoir. Oui. Le repas est prêt. Ok, vas-y. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, j'aimerais m'adresser à chacun d'entre vous. Et sachez une chose, c'est que la Bible déclare que tout homme est pécheur. Et en tant que tel, il ne peut s'approcher de Dieu. Parce que Dieu est saint et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais notre Dieu est plein d'amour. C'est pourquoi il s'est proposé d'offrir en sacrifice la précieuse vie de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur Daniel, Chantal n'est pas ta femme. Si tu veux connaître ta femme, reviens ici demain. Chantal n'est pas ta femme. Chantal n'est pas ta femme. Seigneur Jésus, si c'est toi qui me révèles que Chantal n'est pas mon épouse, confirme-le par un signe. Quelque chose à voir? Non, mais j'espère que je ne te dérange pas. Non, j'étais juste en train de préparer une prédication. On dit quoi de nouveau? Non, rien de grave. J'ai fait un songe où le Seigneur m'a montré l'homme qui sera mon mari. Ah bon? Et c'est qui? Bon, je vais te relater le songe. Au commencement, c'est comme si j'étais à la pêche. Et au cours de celle-ci, j'ai pris un gros poisson. Ainsi. Au fait, le silu, c'est un poisson que j'aime bien. Je l'ai donc apporté à la maison et l'ai déposé dans la cuisine. Je suis allée ensuite me changer et à mon retour, le poisson avait disparu. Et tu sais qui j'ai vu à la place? Non. Un homme. Il était assis et me regardait comme une vieille connaissance. Et moi, j'étais à l'aise et en sécurité en sa compagnie. C'est comme si c'était une partie de moi-même. Chantal, tu ne m'as toujours pas dit qui c'était, hein? Je ne le connais pas. Mais si je le vois, je le reconnaîtrai. Cette histoire de pêche, la pêche signifie l'évangélisation, non, pasteur? Monsieur, n'est-il pas en train de me dire que c'est au cours d'une évangélisation que je vais croiser l'homme qui sera mon mari? Pasteur.
Tu me suis? Oui, je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Je ne suis pas une évangéliste pour aller évangéliser mon... Chantal, l'évangélisation n'est pas l'affaire des seuls évangélistes. Tous ceux qui sont sauvés sont appelés à aller évangéliser. C'est un ministère universel. Je ne peux pas, pasteur. Je suis trop timide. Et que diront les gens de moi? Comment me verront-ils? Je ne peux pas. Chantal, je vais t'aider. Hein? Tu sais, quand on commence, ça semble difficile, voire même impossible. Mais dès qu'on s'y met, ça devient facile. Allô, bonsoir Diacre Emile, comment vas-tu? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. J'ai reçu de la part de la sœur Chantal un chèque de 2 millions dont elle fait don à l'église comme action de grâce au Seigneur. Tu pourrais passer le chercher? Non, il est au porteur. Non. Toute la journée, je serai en pleine évangélisation, mais je compte être à la maison plus tard à 20h. Ok, 20h, ça peut aller, hein, ça va. Allez, que Dieu te bénisse, et puis bonne soirée à toi. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et lorsque le péché est survenu dans le jardin d'Éden, c'est alors que Dieu a chassé l'homme du jardin. Et donc l'homme était séparé de Dieu, selon qu'il a dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans son amour, Dieu a décidé de réconcilier l'homme avec lui-même. C'est pourquoi Dieu a prévu un plan de rachat pour toute l'humanité. Et la Bible nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à la croix son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois baoulé, bété, anu, dita, que tu sois ivoirien, que tu sois congolais, que tu sois iranien, Jésus t'aime. Jésus t'aime et il veut te sauver. Jésus est allé au poteau de la croix et il a souffert pour toi. Il a souffert à cause de tes péchés, afin de te sauver, afin de te libérer. Bien-aimé, Dieu t'aime et il veut te sauver. Et Jésus te tend les bras ce soir. Il veut te sauver. Vas-tu, n'est-ce pas, accepter le sacrifice auquel il a consenti pour toi, ou vas-tu le refuser? Bien-aimé, je t'invite à l'accepter ce soir. Je t'invite ce soir à donner ta vie à Jésus. Demain risque d'être trop tard, parce que demain il y aura le jugement dernier. C'est maintenant que tu dois l'accepter. C'est maintenant que tu dois accepter le salut que Jésus-Christ de Nazareth te donne. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alléluia. Mais madame, vous ne pouvez pas venir demander une somme aussi colossale et ne pas envoyer une garantie sérieuse. Je veux bien vous aider. Votre dossier est bien conçu. Mais allez-y m'apporter une bonne garantie. J'avais dit que... Ah, tais-toi! Tu essaies de crier, tu es un homme mort. La poussière est arrêtée! Pousse-la! Lui qui m'a demandé d'être là à 20h. Là, il est 20h30 là. Oui, effectivement. Bon, attends que j'essaie de le joindre sur son côté. Ok, vas-y. Dis, ça passe pas? Non, son portable est fermé. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Bon, donc on va rentrer et on va repasser demain. Ok. Sœur Aimée, bonjour. Bonjour, Sœur Marie. Comment vas-tu? Bien, ma chère. Par la grâce de Dieu. Et chez toi? Ça ne va pas très fort. Ça va aller, ma sœur. Mais dis-moi, tu es au courant? De quoi? De la disparition du pasteur Daniel. Comment ça? Ça va, ma chère. On dit que le pasteur Daniel a disparu avec 2 millions de francs CFA. Actuellement où je te parle, il a fui son domicile. Son nom est dans tous les journaux de ce matin. Non, ne me dis pas ça. Je ne crois pas le pasteur Daniel capable d'une chose pareille. Ma chère, Abidjan ici, là, c'est quand la nuit tombe que tous les chats deviennent gris. Mais c'est pas vrai. Vendeur, s'il vous plaît, j'ai ce journal. Tu as la monnaie? Non, je n'ai pas de monnaie. Tu as converti un euros. Non, d'accord. Tu as acheté aussi? Ok. C'est là. Bonsoir, ma soeur. Faites-moi un numéro là-dessus. 05 51 73 26. Allô? Oui, diacre Emile. Oui, c'est le frère Jean. Ouais, depuis ce matin, il tente de te joindre là, mais c'est en vain. Oui, tu as les journaux de la journée là? Ah bon? Ah, moi j'en ai acheté. Mais les nouvelles sont pas bonnes du tout. Il y a un journal qui a titré à la une que le pasteur Daniel a disparu avec 2 millions. Oui, 2 millions de francs. Mais qui a pu donner ces informations? Non, diable, tu ne peux pas me dire que tu crois à ces mensonges-là, c'est pas possible. Le pasteur Daniel ne peut pas faire de telles choses. C'est pas possible. Oui. Oui, moi je pense que quelque chose a dû lui arriver. Donc on va se renseigner encore plus. D'accord, merci. À demain matin. Ok, merci. Faites-moi un autre numéro. Ah oui, pardon. Oui, 07. 15-21. Allô, n'écoutez pas. Allô? Oui, ancien Maurice. Oui, bonsoir. C'est le frère Jean. Oui, mais est-ce que tu es au courant de la tournure que l'affaire du pasteur Daniel prend? Oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller signaler ça à la police pour que la police ouvre une enquête? Et puis aussi, avec tes collègues huissiers, tu pourrais prendre 2 ou 3 pour arriver chez lui, perquisitionner là-bas pour voir. Il pourrait y trouver des indices. C'est possible. Oui. D'accord, demain matin. Ok. Demain matin. Ok, merci, ancien. Bon, merci. Copine, qu'est-ce que tu as? Tu as un malaise? Veux-tu que j'appelle un médecin? Oh Seigneur, tu ne peux pas me demander une chose aussi difficile, non? Pardon? À qui parles-tu? À Dieu. Dieu me demande d'évangéliser ici. Tu es sûr que ça va? Attends-moi un instant, j'arrive. Elle est vraiment devenue folle, ma copine. Qu'est-ce qu'elle raconte? Que Dieu lui a parlé. Elle doit avoir un blond de régler là-dedans. Je comprends maintenant pourquoi ses anciens amis la quittent les uns après les autres. Moi non plus, je n'en peux plus.
Qu'est-ce que c'est? Des conneries. J'ai même envie de balancer ça par la fenêtre. Laisse voir. Dis-moi, Samuel. Oui. As-tu déjà vu comment se comporte un chat qui attrape une souris vivante? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec la souris, juste en ce qu'il est assez fin, assez envie de manger. C'est alors qu'il achève. Où veux-tu en venir? Il y a 4 jours, j'ai pris dans ma chatte un bel génome. Et si je suis ta logique, c'est que tu veux jouer avec lui? C'est ça. À la seule pensée de ce génome, j'ai le feu au bas-ventre. Tel que je te connais, je te dirai vas-y seulement. Fais attention, je n'accepterai pas de baver. Merci, je savais que tu allais me comprendre. J'ai dit, ce génome me rend fou. Paul, tout. Ok, ok. Je n'en crois pas, monsieur. J'espère que tu ne seras pas contre cette espèce de rapace. Qu'est-ce que c'est? Un passeur fait même pas sur 2 millions de francs. C'est mon passeur. C'est le passeur Daniel. Tu as vu clair maintenant? Tu as vu dans quelle histoire tu t'es embarqué? Je ne crois pas le pasteur Daniel capable d'une chose pareille. Tous ces gens qui se disent des serviteurs de Dieu ne sont que des menteurs, des escrocs. Abidjan, quand la nuit tombe, tous les chats deviennent gris. Arrête de rêver, les faits sont là. Tes cris ne peuvent arriver nulle part. Il vaut donc mieux économiser ton énergie. Parce que toute tentative d'évasion est sanctionnée par la mort. Il n'y a pas de possibilité de fuite ici. Tu peux au moins poser une question? On ne pose pas de questions ici, on la ferme.
fait pour vous, madame? Qui vous a donné l'information concernant le pasteur Daniel, monsieur? Du calme, madame. Vous savez, les médias protègent leurs sources. Je suis venu donc apporter un démenti à cette information. Mais c'est une information vérifiée, madame. Vérifiée ne veut pas dire vrai. Ce monsieur, c'est mon pasteur. Je le connais très bien. Il ne peut pas poser un appareil. C'est vous qui le dites, madame. Les faits sont là. Le pasteur a disparu avec une somme de 2 millions de francs CFA. Et puis cet argent, d'ailleurs même, c'est un chèque. Et c'est moi qui ai signé ce chèque. Ce matin, je suis allé voir et l'argent n'a pas été retiré. Quelque chose a dû arriver à ce pasteur, monsieur le directeur de publication. Je vous comprends, madame. À votre part, je défendais aussi mon pasteur. Mais nous, nous ne publions que des scoops. Or, cette information n'est pas un scoop. On va forcer la porte, mais... S'il vous plaît, messieurs, je suis la voisine du pasteur. Je l'ai juste de tes Bonjour chef, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Où étiez-vous? À la comporte. Et comme ça vous laissez les prisonniers sans garde? Nos yeux et nos oreilles étaient ici. Nous avons pu venir. Seigneur Jésus, fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose pour qu'on retrouve le pasteur Daniel. Seigneur, je t'en supplie, c'est ton serviteur. Fais quelque chose pour lui. Seigneur, tu n'as pas changé et tu demeures toujours le même. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais toujours dans le présent. Père, fasse qu'on retrouve le pasteur Daniel.
chef. Bonjour. Oui, le liquide amniotique est fini. La demande d'organes est très élevée. En Europe, aux États-Unis, la quantité, la demande est très élevée. Oui. Même en Asie même, la demande a carrément quadruplé. Faites vite, patron. Le temps presse. D'accord. D'accord. Merci, patron. Au revoir. Seigneur Jésus, je t'en supplie, aie pitié de moi. Pardonne-moi. J'ai dénoncé ton serviteur. Je l'ai accusé alors qu'il n'est pas coupable. S'il te plaît, papa, pardonne-moi. En agissant ainsi, j'ai jeté l'opprobre sur ton église et sur tes serviteurs. Mon péché est grand. Je t'en supplie. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Allô? Amenez-moi le prisonnier de la cellule numéro 1. Ce n'est pas possible. Nous l'avons déjà introduit dans la zone rouge. Vous connaissez les règlements. Une personne qui pénètre dans la zone rouge ne peut plus en ressortir. Vous êtes là pour exécuter les ordres et non de les discuter. À ce que je sache. Je sais, chef. Ce que je vous donne là, c'est un ordre. Mais attendez, chef. Je vais d'abord demander au boss. Ok. Dès qu'il t'aura répondu, tu seras viré. Et comme toi-même tu sais que personne ne peut sortir d'ici vivant, alors tu prendras la place de ce prisonnier. Tu entends? Bonsoir monsieur le directeur de publication. Bonsoir Diak Emile. Je vais réparer un tort. Hier la police a forcé le domicile du pasteur Daniel. Je sais. Le chèque de 2 millions a été retrouvé. Je le sais aussi. Vous ne l'avez pas publié? Ce n'est pas un scoop. Nous ne publions que des scoops, Diak. Mais monsieur le directeur, le pasteur a été accusé injustement. Il faut que la vérité soit connue de tous. Ce n'est pas mon problème. C'est un problème interne à votre église. C'est vous qui l'avez accusé. Et si vous tenez à ce que l'information soit publiée, payez une page. Un huitième de page, ça coûte combien? Ça fait 500 000. C'est pas vrai. Vous ne pouvez pas diminuer? Non, monsieur, c'est le prix. Excusez-moi. Fut le plus beau jour de ma vie. Mais on n'avait pas l'assurance. Les factures d'hôpital s'élevaient à plusieurs milliers de dollars. C'est pas une excuse. Oui. J'étais si désespéré. Regarde. Il a fini de se laver, chef. Il
c'est à compte. Faites-le entrer. Et tenez-vous à bonne distance. À vous, votre chef. Bien, Daniel. Tu as un très beau prénom, tu sais. Je l'aime bien. Approche, mon amour. J'ai très envie de toi. Viens, mon amour. Non, je ne peux pas faire ça. Comment ça, tu ne peux pas? Tu es impuissant? Non. Tu es marié? Non plus. Viens donc. Qui peut refuser un cadeau pareil? Je t'ai délivré de la mort pour m'offrir à toi. Et tu me dis que tu ne peux pas? Tu sais, tu as le choix entre coucher avec moi ou le couteau. Tu choisis quoi? Je ne choisis rien. Merde. Oui, allô? Venez le chercher. Qu'il passe immédiatement au couteau. Ça veut dire quoi ça? Mon sort n'est pas bien grave. De toute façon, que ce soit aujourd'hui ou demain ou même dans 50 ans, je sais qu'un de ces jours je mourrai et que j'irai au ciel chez mon père. Je plains plutôt votre cas. Vous feriez mieux de donner votre vie à Jésus. Attends-toi! Attends. Tu es chrétien? Oui, je suis pasteur. Quoi? Pasteur? Mais que faites-vous ici? Je me le demande moi-même. C'est pas possible. Je comprends maintenant. Venez. Oui, allô? Oui, allô, c'est qui? Je vous entends mal, c'est qui? Qui? Ah, pasteur Daniel! Tu es où? D'accord, j'arrive immédiatement, Dieu soit loué. Bita, où est la clé de ma voiture? Thank you.
affaire. Tu ne manges plus, il y a encore de la nourriture dedans. Ça va, seul chantage, je suis rassasié. Hein? Merci bien. Merci. Tu sais quoi, pasteur? Non. Je ne croyais pas au miracle biblique. Et je me disais que même s'ils sont vrais, c'est le passé. Mais aujourd'hui, mes yeux ont vu un vrai miracle. Et je crois maintenant la parole qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sœur Chantal, la parole de Dieu, c'est la vérité. Rien n'est impossible à Dieu. Hein? Vraiment. Bon, Sœur Chantal, moi je me sens vraiment très fatigué. Il faut que je rentre à la maison me reposer. Ah, j'oubliais, pasteur. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Votre domicile a été scellé par la police. Ah bon? Oui. Et je vous propose de dormir ici. Il y a beaucoup de chambres dedans. Comme ça, demain, on verra le reste. Enfin, il n'y a pas de souci. Hein? Allons que je vous montre votre chambre. Bon. C'est chic, non? Soulève ta tête! Regarde-moi ici, regarde-moi. Ce que tu veux. Regarde-moi, regarde-moi. Fais ta dernière prière. Fais ta dernière prière. J'ai même pas envie.
Oui, bonjour monsieur. C'est le pasteur Daniel. Oui, c'est qui? Ah ouais? Ah bon? Et que puis-je faire pour vous? Ok, vous êtes où? D'accord, gardez votre calme, j'arrive immédiatement. Bonjour Binta. Bonjour Tanti. Le pasteur dort encore? Non, il est sorti. Il a eu un appel urgent et il est sorti vite. Il dit va t'appeler après. Ok, d'accord. Merci. Voilà, vous savez tout maintenant. Je suis un vrai monstre, une criminelle. Je ne sais combien de personnes j'ai tuées ou fait tuer. Je suis sûre que c'est les. Ce sont ces personnes qui me poursuivent. Je n'ai plus la paix. Chaque fois que je ferme les yeux, je fais des cauchemars. À tel enseigne même que je redoute le sommeil maintenant. Parce que je sais que vous pouvez m'aider. J'ai lu dans une brochure que Jésus donne la paix. Je veux la paix. Même si pour cela, je dois perdre ma liberté. Ah, mais pourquoi dites-vous que vous allez perdre la liberté? Je sais que je vais aller en prison. Ah, donc, vous voulez que je vous dénonce, c'est ça? Avez-vous le choix? Non. C'est votre devoir. Et il faut bien que cette hécatombe s'arrête, non? Ah oui, mais vous ne serez pas épargné. Hein? Peu importe. Même si je mourrais, ce ne sera que justice rendue. Parce que ce qui compte maintenant pour moi, c'est le Seigneur Jésus. Si seulement il pouvait m'accepter et me pardonner. Alors, calmez-vous. Jésus est Seigneur. Il peut encore vous accepter. Il est encore. Pasteur, il y a tout ça de mal. Oui, mais tout cela ne compte pas. Regarde l'amour de Jésus pour vous. Alors, tout va bien. D'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être maintenu contre vous. Arrêtez-le! Ah bon, c'était donc toi? Espèce de putain, tu ne manques rien pour attendre toi. Je t'aurai, quel que soit le cas, je t'aurai. Amenez-le! Le
les forces armées nationales ont démantelé en ce jour un gang de criminels trafiquant d'organes humains. Au cours du démantèlement de leur base située dans la forêt du Banco, 8 bandits armés qui refusaient de se rendre ont été abattus. Une quinzaine d'autres ont été appréhendés. 50 personnes qui travaillaient sur le site ont également été arrêtées. Et dans le même temps, 12 personnes qui attendaient leur mort prochaine ont été libérées. Bien avant cette opération, au cours de laquelle 20 armes de guerre ont été saisies, le chef de ce gang, un certain Samuel, a été pris sur dénonciation de son adjoint Awa, une jeune femme repentie. La police a ouvert une enquête pour comprendre tous les contours de cette affaire macabre. Nous vous donnerons d'autres explications dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci d'avoir été des nôtres. Ça, c'est bien ça. C'est bien. On dit quoi? Comment vas-tu, frère Jean? Très bien, pasteur. Dis-moi, est-ce que tu sais que le verdict sur les trafiquants des organes humains est tombé aujourd'hui? Non. Ah, il est tombé aujourd'hui? Samuel, le chef du gang, a écopé 20 ans de réclusion criminelle avec saisie de tous ses biens. Et la sœur Awa dans tout ça? La sœur Awa. C'est qui ça, la sœur Awa? Celle qui a révélé l'affaire des trafiquants d'organes. Ah, Awa. Ouais, elle également a écopé de 10 ans d'emprisonnement ferme avec saisie de tous ses biens aussi. Mais dis-moi, pasteur, pourquoi tu l'as appelée la sœur Awa? Mon cher, elle a donné sa vie à Jésus, hein? Ah bon? Oui. C'est une très bonne nouvelle, ça. C'est elle-même qui a permis l'arrestation de tous les criminels. Ah bon? Je dois même me rendre à la prison pour lui prescrire un jeûne en vue d'opérer sa délivrance. Ah ouais, ça c'est une très bonne idée. Mais pasteur, je pourrais t'y accompagner, hein, si ça ne te gêne pas. Volontiers, je m'apprêtais même à te le proposer. Ah ok, d'accord, je suis partant. Allez vite! Allez vite! Le feu! Le feu! Le feu! Allez pas! Au nom de Jésus! Pousse ton cri et pas! Ça va la soeur? Oui, pasteur, ça va. Ok. On va prier un peu et puis je vais te réveiller. Rimaha Shakarda Baba. Au nom de Jésus! Bien, nous avons fini, mesdames. Merci pour votre bonne compréhension et votre patience. Ok, il n'y a pas de problème. Okay. Awa, on y va. Tout à l'heure pour Awa. J'ai eu une. Ah bon? Oui. C'est comme si Awa et toi étiez en train de vous marier. Vous étiez en tenue de marié et puis chacun tenait l'annulaire gauche de l'autre en train de mettre une alliance. Oh.
Oui, allô? C'est qui? Mais qu'est-ce Samuel? Ah, bonjour monsieur. C'est une très bonne décision. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de problème. En prison? Oh, que Dieu vous aide. Ça va aller. D'accord, je viendrai vous voir. Ok. Au revoir, portez-vous bien. Bonjour pasteur, tu es où? Non, il n'y a rien de grave. Oui, ça va passer. Tu sais qui vient de m'appeler? Oui, Samuel, le chef des trafiquants d'organes humains. Il dit qu'il a retrouvé mon numéro sur un traité que je lui ai remis lors d'une évangélisation. D'accord, pasteur. Et il dit aussi qu'il a donné sa vie au Seigneur. Mais pasteur, il a besoin de suivi spirituel. D'accord, pasteur. Donc avant de partir, cherchez à me voir, comme ça je vais lui remettre quelque chose pour lui et la soeur. Au revoir. Merci. À ce soir. Au revoir, pasteur. Bonjour, pasteur. Comment vas-tu, Diakemi? Ça va, pasteur, ça va. Mais tu ne respires pas la grande forme, on dirait. Oui, c'est vrai. Mais moi, je tenais à te voir. Présentement? En fait, je m'apprête à aller en prison rencontrer ma fiancée. On ne pourrait pas se voir à mon retour? En prison? Voir ta fiancée? Tu sais, mon cher, les voies du Seigneur sont insondables. Hein? Ouais, ça, si le Seigneur me demande d'épouser une prisonnière, je ne peux que me plier à sa volonté. Bien qu'humainement parlant, ce soit quand même difficilement acceptable. Je crois en cette parole qui dit que Dieu ne réserve pour moi que le meilleur. Mm-hmm. Et tu sais, hein, Dieu ne regarde pas l'apparence comme nous les humains. Lui, c'est plutôt au cœur qu'il le regarde. Ça, c'est vrai. Mais revenons à toi. Tu ne pourrais pas attendre à mon retour? Non, pasteur. Je préfère en finir maintenant. C'est pratiquement un fardeau. Ah bon? Et je tiens sincèrement à te demander pardon. Pardon? Mais pourquoi? Parce que la dernière fois, pour l'affaire de la disparition des 2 millions, c'est moi qui ai apporté l'information à la presse. Donc c'est pour ça que tu te fais du mauvais sang. Mais cette histoire, ça fait partie du passé pour moi. Je ne m'en souviens même plus, j'ai tout oublié. Hein? Je te pardonne, Diak. Attends, viens, viens. Tout ça, c'est du passé maintenant. Hein, Diak? Ne te fais pas du mauvais sang comme ça. Hein? Je te pardonne, Diak. Comment vas-tu, Sœur Chantal? Très bien, pasteur Daniel. Comment s'est passé la dernière fois avec Samuel? Oh, ça s'est très bien passé. Je lui ai même offert une Bible et lui ai proposé d'opérer sa délivrance. Que penses-tu de tout ça? Ah, il est d'accord. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ce mercredi? Rien, le mercredi je suis de repos. Ah, ça tombe bien, ça tombe bien. Tu vas donc opérer sa délivrance en compagnie du frère Jean. Okay. Hein? En fait, ce mercredi, je ne serai pas là. Je serai plutôt en voyage. Hein? Voilà. Vraiment, que Dieu te bénisse. Bonjour Binta. Bonjour tonton. Ça va? Ok. Merci, merci beaucoup. Tonton, tu sers de l'eau? Non, ça va, merci, merci. Bonjour Jean. Bonjour Chantal. Ah, mais tu es vite arrivé, je n'ai même pas encore fini. Oh, c'est pas grave, je vais t'attendre. Ok, d'accord. Donc, je vais terminer dans la cuisine. Je suis en train de concocter un de ces plats pour Samuel. Oh. Il m'en donnera les nouvelles. Ah oui, mais faut pas trop le gâter, hein. Tu sais, nous sommes en jeûne. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Je vais plutôt faire beaucoup de provisions pour lui. Wow. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Pasteur, ton voyage s'est bien passé? Oui, ça s'est vraiment bien passé. Très bien même.
Mais on dit quoi? La mission que je vous ai confiée en prison, ça a été? Très bien, pasteur. Le Seigneur a délivré Samuel d'une douzaine de démons. Alléluia! Vraiment que son nom soit glorifié. Amen. Mais, pasteur, le visage de Samuel me dit quelque chose. Depuis que je suis arrivé de la prison, je cherche mais je ne vois pas. Enfin, ça arrive souvent. Certainement, un de ces jours, tu vas t'en souvenir. Hein? Chantal, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, je vois maintenant. Tu te rappelles le jour où je t'ai expliqué le songe que j'ai eu? J'ai dit que dans le songe, j'étais à la pêche. Et j'ai pris un gros sac. Je l'ai emmené à la maison. Et quand je suis allé me changer, à mon retour, le poisson avait disparu. Et à la place, il y avait un homme. Le pasteur, c'était Samuel. Quoi? Samuel? Le Seigneur ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas me donner pour mari un criminel, un brigand. Non. Je pense que ces deux brigands étaient mieux ensemble. Quels deux brigands? Mais Samuel et Awa, ils étaient bien ensemble. Chantal, devant Dieu, nous avons tous été des criminels, d'une manière ou d'une autre, chacun à sa façon. Et avant de connaître le Seigneur, que n'avons-nous pas fait? Mais maintenant, Dieu ne considère plus Samuel et Awa comme de vulgaires criminels, hein, mais bien plutôt comme des enfants bien-aimés qu'il a rachetés par le sang de Jésus. Et comme toi et moi, ils ont lavé leur robe dans le sang de Jésus. Ils sont donc justifiés devant Dieu, ils sont sauvés. Hein? Chantal, ne sois pas découragée. Hein? Tu sais, Dieu ne réserve pour nous que le meilleur, il est souverain. Et s'il a décidé que ce soit Samuel qui soit ton mari, il sait pourquoi. Considère cela simplement comme une grâce et remercie-le. Hein? C'est plus fort que moi. Je te comprends. Hein? Fortifie-toi et prends courage. Dieu est souverain. Hein? Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas comme ça. Mais tu sais qu'il a 20 ans à passer en tôle. Ne sois pas découragé. Bonjour, c'est... Comment tu vas? Très bien. Mais dis-moi, tu as quelqu'un ici? Bien sûr, le frère Samuel a fait Awa. Ah, c'est par rapport à eux que je suis là aussi. Tu sais, je leur rends visite deux fois chaque deux semaines. Moi, je le fais une fois chaque deux semaines, compte tenu de mon boulot. Mais dis-moi, tu es au courant? Non, de quoi? Tout le monde appelle Samuel pasteur. Ah oui, ça je suis au courant. Il paraît qu'il est en train de convertir un beau monde hein, dans la prison ici. Le pasteur Daniel m'a même dit qu'il tient deux cellules de prière. Et qu'il prêche chaque dimanche pendant les cultes qu'il organise. Tiens-toi bien. Il paraît qu'ils sont nombreux à vouloir qu'ils soient graciés. Ce serait une très grande première si cela pouvait arriver. Bon, je vais te laisser. Ok, frère Jean. Je vais arriver là. Merci. Tu vois, Chantal, hein? Dieu est fidèle. Il est souverain. Hmm? Il faut simplement t'accrocher au Seigneur. Et je pense que Dieu prépare des choses exceptionnelles pour nous. Allô? Ah, bonsoir, ancien Maurice. Comment vas-tu? Ah oui, ça va bien. Que Dieu te bénisse aussi. Quoi? Oh! Merci, Seigneur. Ancien Maurice, que Dieu te bénisse. À demain, hein? Chantal. Qu'est-ce qui se passe, Chantal? Dieu est souverain. Dieu est souverain. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Le président de la République vient de gracier Samuel et Awa. Seigneur. Merci, Jésus. Merci,
Alléluia. Alléluia. Peuple, ce matin, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Et la nouvelle, c'est que le frère Samuel et la sœur Awa, qui étaient incarcérés pour plusieurs années durant, a été gracié par le chef de l'État. Et ce matin, les bien-aimés sont venus de nous. On va acclamer le Seigneur pour le recevoir plusieurs fois. Le frère Samuel et la sœur Awa, de s'approcher pendant que nous acclamons puissamment le Seigneur Jésus de Nazareth. Frère, acclame Jésus, acclame le Seigneur. Amen. Tout à l'heure, le frère Samuel aura le temps de rendre son témoignage. Mais bien avant cela, j'ai une autre bonne nouvelle. Alléluia. Nous allons présenter d'abord les différents fiancés. Dis Amen. Dis Amen très fort. La fiancée du frère Samuel, frère bien-aimé, n'est autre que la sœur Chantal. On va clamer le Seigneur pendant qu'elle arrive. Alléluia. Acclame Jésus. Je continue encore dans les bonnes nouvelles parce que j'ai une autre bonne nouvelle. Dis Amen. L'autre bonne nouvelle, c'est que le fiancé de la sœur Awa est aussi présent. Et ce n'est autre que le pasteur Daniel. On acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, les desseins de Dieu sont insondables. Et je pense que le Seigneur a toujours prévu le meilleur pour nous. Et quand il nous donne quelque chose, il faut prendre le temps de le considérer, d'y croire et de l'accepter parce que c'est la meilleure chose pour toi et pour moi. Dis Amen. Frères et sœurs, je vais maintenant laisser toute la place au frère Samuel qui aura le temps de nous dire ce que Dieu a fait pour lui. On acclame le Seigneur pour recevoir le frère Samuel. Alléluia. Je voudrais ce matin dire merci à Dieu. Merci parce que Dieu me permet d'être devant vous. Et comme le dirigeant l'a dit tout à l'heure, j'étais en prison. Et maintenant Dieu m'a libéré, je suis libre. Amen. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'évangéliste Samuel devant vous. Mais hier, je n'étais pas évangéliste. Hier, j'étais à la tête d'un gang. Hier, j'étais un criminel. Hier, c'était des femmes à gauche, à droite. Et vous savez, quand on est dans ce monde-là, on croit que tout ce qu'on fait est bon. Le paradis, tout est paradis. L'enfer, ça n'existe pas. Et il a fallu que Dieu me permette de le connaître. Il a fallu que Dieu me permette véritablement de l'accepter dans ma vie afin qu'aujourd'hui je puisse savoir qu'il existe un enfer. Et là, je me rends compte que moi, j'étais destiné à l'enfer. Moi, un grand criminel, Dieu m'a accordé sa grâce et il m'a pardonné. Et parce que Dieu m'a pardonné, alors je crois véritablement que Dieu peut le faire pour tous les autres. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur. Voyez-vous, comme je disais, j'étais criminel. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a sauvé. Et je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous ceux-là qui continuent encore dans la criminalité, qui sont encore dans la rue, les sœurs qui donnent encore leur corps pour avoir de l'argent. Je voudrais faire un appel à toutes ces personnes qui s'en donnent encore à la drogue et leur dire simplement ceci. Il y a eu de la place pour eux dans le cœur de Jésus. Je voudrais simplement leur dire que si moi Jésus m'a accepté, si Jésus m'a pardonné et qu'il m'a permis d'être membre de sa famille, eux aussi, Dieu peut leur permettre d'être membre de sa famille. Je voudrais simplement les appeler ce matin à donner eux aussi leur vie à Jésus et à accepter Jésus comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Parce qu'aujourd'hui, de la position, je suis aujourd'hui un serviteur de Dieu.
Et je peux dire que je suis un racheté de l'enfer. Oui, je peux dire que je suis un racheté de l'enfer. Parce que tu es un racheté de l'enfer. Amen. Le comble, c'est que tu as permis. Et c'est la paix qui m'a permis de me connaître.